Demain lundi, Koen Gaen s'est attendu au Palais Royal. Celui que le roi Philippe a chargé de trouver une solution devrait être prolongé. Alors pour tenter quoi? La question n'est pas vraiment ouverte alors qu'au CDNV, il semble aujourd'hui très clair que plus personne ne veut tenter une coalition qui exclurait la NVA. Alors pour bien comprendre l'état d'esprit des chrétiens démocrates flamands, Imad Messoudi et Guy Tallin sont partis sur les routes de Flandre avec une première escale en Flandre orientale. Nous voici à Deyns. C'est un samedi matin typique, avec le petit marché, l'église de style gothique du XIVe siècle au bord de la Lys, le musée, le stade de foot de D1 amateur avec un match contre la Louvière, victoire 3-1 des locaux, et il y a la maison communale. Ce samedi, c'est réunion des comités d'avis de Deyns avec au menu entre autres les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ici, le bourgmestre est CDNV, CVP ou chrétien depuis le XVIIIe siècle. Et pour Jan Vermeulen, c'est simple, NVA et PS n'ont pas le choix, ils doivent s'entendre. Oui, les programmes ne sont pas compatibles, mais les défis sont compatibles. Donc sur le plan de l'énergie, de l'économie, du budget. Donc on doit oublier les programmes et travailler ensemble, c'est ça qui est nécessaire, c'est ça que nous faisons dans notre ville aussi. Pas question donc de Vivaldi, la coalition sans la NVA, pour ce bourgmestre qui n'a rien à craindre ici des nationalistes. Nous quittons Deyns pour aller à Montaigu avec cette question, quid des autres bourgmestres CDNV? Le journal Atlantis a sondé les 106 bourgmestres CDNV sur les 300 que compte la Flandre. 76 d'entre eux souhaitent la présence de la NVA au fédéral, comme ici à Montaigu ou Skerpeneuvel en néerlandais. C'est un samedi après-midi typique, avec sa jolie basilique du XVIIe siècle, son grand marché et son bourgmestre en place depuis 25 ans. Aan de Vlaamstalige kant moet je minstens de grootste partij eigenlijk bij hebben om een stabiele regering te vormen. Dat blijkt uit de aard van de resultaten eigenlijk van de verkiezingen. Dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de verkiezingen. Dus zonder die partij kun je geen stabiele regering vormen eigenlijk. Niet Vlaams, maar ook niet federaal. Pour lui, de nouvelles élections seraient dangereuses. Retour à Deyns. Avec une nouvelle idée de coalition. Il n'y a qu'une solution pour Koen Gaens et c'est une coalition Arizona. Je l'appelle Arizona, avec une base avec la mer. Et le NVA et le PS qui doivent partager la lumière de l'étoile au milieu, une étoile orange qui sera Koen Gaens. Ce sera difficile, mais pour en Arizona, on a le Grand Canyon, on a beaucoup de déserts, mais si on réussit, la capitale de l'Arizona, c'est Phoenix, et c'est ça que notre pays a besoin. Coalition Arizona au lieu de la Vivaldi, la NVA et le PS ensemble au fédéral, la mission impossible de Koen Gaens se sera prolongée a priori ce lundi par le roi.